Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des structures avec des explosifs télécommandés sur Fortnite. Alors précédemment, j'avais fait une vidéo où je vous présentais le lance-missile qui pour moi était une arme télécommandée parce que c'est un missile guidé. Donc je pensais que ça fonctionnerait avec ce lance-missile, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc soit c'est un bug ou soit... c'est normal et en fait pour réaliser le défi il vous faut absolument du C4. Donc je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de trouver du C4 très facilement. Et en plus de ça, avec cette astuce vous allez aussi pouvoir normalement détruire les structures très facilement aussi grâce au C4. Donc déjà moi ce que je vous conseille de faire c'est de vous rendre à Tilted Tower. Ensuite, c'est d'essayer de choper un char directement. Donc là, je vais me prendre la tyrolienne pour aller plus vite directement sur le char. Boum. Voilà, donc je prends le char. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je fonce dans toute la base du bâtiment. Toute la base du bâtiment pour faire détruire le bâtiment complet. Et quand le bâtiment... complet va être détruit, ce que je vais faire c'est que je vais regarder s'il n'a pas laissé tomber un morceau de C4, enfin du C4 tout simplement. Hop, donc là on détruit tout le bâtiment, toute la base. Voilà, il reste quoi, il reste un mur là et normalement après tout ce qu'il y a dans le bâtiment vont tomber. Voilà, parfait. Et on va voir s'il y a du C4 dedans. Donc apparemment... Ah, peut-être là-bas. Je vois un truc violet. C'est sûrement ça. Non, c'est une répulsive. Donc là, apparemment, il n'y a déjà pas de C4. Donc on va tout simplement passer au deuxième bâtiment. Et on va faire pareil. Donc c'est une façon de trouver du C4 super rapidement. Parce que le C4, franchement, c'est un peu galère à trouver. Donc grâce à cette technique, vous allez pouvoir en trouver plus facilement. Regardez, là j'en ai trouvé. Je sors du char. Je récupère le C4. En même temps, je récupère 2-3 petits trucs. Hop, je remonte dans le char. Voilà. Évidemment, l'autre, il va me casser la tête. Pour bien faire, faudrait que je le tue. J'ai pas trop spécialement envie de le tuer. Donc, ce que je vais faire maintenant, pour réaliser le défi. Ce que vous allez faire, c'est la même chose. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. On va détruire toute la base du bâtiment. Sauf que là, on va laisser un seul mur. Et ce mur-là, on va le détruire avec le C4, justement. Bon, le problème, c'est que le joueur qui est avec moi, je vois qu'il est déjà bien déterminé à tout casser. Il est déjà bien déterminé à me casser la tête, hein. Donc, ça va pas le faire. Regarde, il est en train de tout détruire. Je vais le défoncer. Il est en train de me saouler. Vas-y, va voir ailleurs, mon pote. Va voir... Non. Détruis pas le truc, détruis pas le truc. Voilà. Tu vois, ça, c'est ce genre d'abruti qui casse la tête. Hein. Voilà. Magnifique. Je vais changer de place, je vais te défoncer, mon gars. Ouais, c'est lui qui me défonce. Ouais, vas-y, ça me saoule. Ça me saoule, je suis obligé de recommencer. Donc, c'est parti, on va recommencer. En plus, il me vole mon C4, quoi. Le petit enfoiré, gars. Ok, donc, regardez, là, en détruisant un bâtiment, j'ai obtenu... deux fois du C4. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me casser. Je vais aller près de l'église. Je vais détruire trois murs de l'église. Et le quatrième mur, je vais le détruire avec mon C4. Donc au moins, là, il n'y a pas de personne avec moi. On va être tranquille. Hop, on détruit trois murs. Ensuite, on sort du tank. On place un C4 sur le dernier mur. Et normalement, quand on le fait exploser, ça va faire détruire 25 structures. What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi l'église tient debout? Attends, ce serait à cause de la tyrolienne? Bah non. Ok, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi l'église reste debout.
Donc on va faire ça avec un autre bâtiment. On va faire ça avec un autre bâtiment. On va faire ça avec ce bâtiment là. Donc on casse toute la base, on laisse juste un mur. Et normalement quand vous cassez le dernier mur, bah, c'est, ça va détruire tout le bâtiment. Donc ça va comprendre que votre C4 a détruit tout le bâtiment quoi. Voilà, là il reste un mur. On sort du char, on le place ici, on le fait exploser. Et là normalement ça devrait détruire toutes les structures. Et là regardez en haut à gauche, normalement ça devrait valider mon défi. Je vois que ça ne le valide pas, donc c'est très bizarre. Donc ma technique ne fonctionne pas, mon astuce n'a pas l'air de fonctionner. Par contre, pour trouver du C4, ah, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Ça devrait fonctionner, on va réessayer. Hein. Je suis à 12 sur 25. On va réessayer avec, avec ce bâtiment-là, en espérant que ça fonctionne. Parce que bah, ce bâtiment-là est plus grand, donc logiquement, il va pas me dire que je vais détruire que 3... Ah, peut-être que... Attendez, je vais tester un truc. Donc, on va laisser un seul mur. Voilà, on a laissé un seul mur. Ah non, il y en a un autre là. On va casser celui-là. Hop. Et on va mettre le C4 sur ce mur-là. Mais on va le mettre sur le plafond. Peut-être ça va changer quelque chose. Et là... Voilà tout le bâtiment quoi. 18. Donc là ça a compté 5. 5. Seulement 5. D'accord. Bon bah l'astuce ne fonctionne pas, donc c'est vraiment dommage, je comprends pas pourquoi. Mais bon bah tant pis, hein, il faudra trouver du C4 et ensuite bah, placer le C4 au milieu d'une pièce où il y a plein de petits accessoires comme ceci et faire tout exploser. Pour faire exploser un maximum d'accessoires quoi. Donc, regardez, il me manque... Ah non, c'est bon, là, ça a validé. Il me manquait 4 accessoires. Mais bon, voilà. Donc, quand vous aurez pété 25 accessoires avec votre C4, regardez, il y a encore du C4 là. Donc, ça, c'est quand même bien la technique de péter le bâtiment. Fait tomber tout le loot. Donc, ça, c'est cool. Donc, dès que vous aurez pété 25 structures avec du C4, bah, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapMeMec et ciao. Peace.